Est-ce que haïtien cap souffri avec dossier checké passeport chaque mois yo, yo même yo pral soulager? Est-ce que haïtien yo cap vive en République Dominicaine qui gen difficulté pour yo joindre papier? Est-ce que yo pral capable joindre papier? C'est toute question ça yo que nous pral répondre pour dans vidéo. Nous invite ou rete là parce que gen pile bagay que ou doit connaître sur question accord ça. On prend intro channel là pour nous commencer. Bonjour, bonsoir. Qui j'ennuie? Moi sentim content chaque fois me rencontrer ensemble avec nous pour me capable vinn informer nous. Pas oublier chaque fois ou quitter un like pour nous en bas yon nan vidéo nou yo. Wow, ça fait que me vibrer. Et le partager yon nan vidéo nou yo même, c'est comme si ou te ban yon bisou sous cœur. République Dominicaine qui c'est voisin nous parce que c'est lui même qui pi près nous. C'est pays ça qui fait haïtien yo souffrir pi plus. Pourtant, c'est eux qui t'a doué kembe main ensemble avec pays d'Haïti pour que yo t'es capable avancer ensemble. Chaque jour, c'est misère pour haïtiens yo qui vivent en République Dominicaine. Laissez pas accusation, c'est déportation. Laissez pas déportation, dominicain yo c'est haïtien qui a touyé sans raison. Nous t'a demandé qui les bagay sa yo a suspend. Qui les haïtien qui vivent en République Dominicaine après aller en souffre. Qui les dominicain yo a prendre valeur haïtien yo comme peuple. Chaque fois dominicain yo senti que économie yo baissé, yo utilisé haïtien yo comme base économique yo. Parce que c'est haïtien yo qui pour travailler pour yo, haïtien yo qui pour acheter marchandise nan men yo, depuis frontière fait un petit coup de fermé comme si problème tout monde là te vinn reposer sous do yo, tellement yo bouleversé à cause des marchés binational là. Nous connaît depuis échange commercial yo pas fait, haïtien yo pas acheter marchandise nan men yo. Économie yo baissé de façon automatique. Si nous tabas ou chiffre quantité cob qui yo rentré avec haïtien par jour, ça a bay environ 20 millions pesos qui yo rentré seulement dans marché d'abonnement par jour. Depuis quelques jours, nous connaît autorité haïtien yo te décidé pour que frontière pas l'ouvrir. Vendredi dernier, dominicain yo te fait tentative pour que yo te ouvril, mais président Jovenel Moïse te dit non li pas ouvri et li te passe l'ordre à sécurité haïtien yo qui sous frontière pour que yo te capable bloquer frontière. Mais malgré ça, yo te toujours kon laisser passer quelques camions marchandises cap sorti en République Dominicaine pour venir Haïti. Mais après que dominicain yo te fin faire en fréquent ensemble avec haïtien yo, côté où tu es passé par devant pour te dire mais qui quantité haïtien qui doit traverser par l'autre bord frontière à chaque 30 minutes, autorité haïtien yo te fâché. Parce que c'est eux même qui t'a gain droit pour faire ça à cause dominicain yo plus infecté par maladie coronavirus là passé haïtien yo. Alors par mesure de précaution, c'est haïtien yo qui t'a dû limiter dominicain yo pour pas entrer en foule sous bord frontière par Haïti. En réponse à fréquence ça que dominicain yo te fait, plusieurs autorités nan Wanamet te décidé bloquer plusieurs camions marchandises qui tap sorti en République Dominicaine pour venir Haïti. Et yo te débarqué camion yo, yo te jeté toute marchandise yo nan rivière. Bagay sa te souke République Dominicaine en pile, Luis Abinadel te blo nan zye parce que li pat vraiment jwenn yon solution à crise sa. Hier dimanche lan qui était 25 octobre 2021, nan yon gros réunion qui te fait entre autorité dominicain avec autorité haïtien yo, dominicain yo te essayé négocier ensemble avec haïtien yo sur réouverture frontière. Côté yo te parlé des mesures sanitaires qui a prend pour protéger santé moun yo qui pral fréquenter marché d'abonne. Eh bien yo joignent yon accord sur dossier ça. Yo te parlé encore sur dossier comment rentrer à pied sous frontière. Côté dominicain yo te négocié que haïtien yo ka vinn vendre et vinn acheter normalement, mais depuis marché a li même li fermé nan après-midi, yo doit retourner la caillou. Eh bien, sous point ça encore, yo joignent yon accord. Dominicain yo yon l'autre fois encore, yo te mandé à autorité haïtien yo pour que yo accepte marché a ouvri 4 fois par semaine. Nous connaissons marché a c'est 3 fois par semaine qu'il te kon fonctionner. Mais à cause pandémie coronavirus là, nous tout connaît comment dominicain yo même yo baissé économiquement, en pile moun te campé nan travail yo en République Dominicaine et moun ki te kon fonctionner nan marché a, c'est marché a qui te principal rentré yo, et bien tout moun sa yo te campé sou activité yo à cause frontière li même li te fermé, li pa jam ouvri depuis là que pandémie coronavirus là te commencé. Dans la rencontre qui t'est faite hier, si nous t'avons fait une analyse, n'a pas que c'est dominicain qui fait plus approche bon côté haïtien yo.
parce que yo gen plus intérêt passé haïtien yo les frontières li même li ouvri parce que yo rentré plus cob passé nous et au lieu marché à lui même pour lui ta fonctionner 3 fois par semaine gens qu'il était qu'on fait avant nous wè yo mandé pour lui ouvrir 4 fois par semaine de façon pour capable rentrer plus l'argent. La grande surprise dans réunion qui était faite hier nous pas souligné à aucun moment de la durée côté autorité haïtien ont parlé sous question haïtien yo qui doit bay $20 américains pour checker passeport yo chaque mois. Ça lui même yo pas mettre le sous table là du tout. Autorité haïtien yo nous pas remarqué côté tout yo était parlé sous question haïtien qui illégal yo qui gen problème pour yo jeune papier en République Dominicaine qui a plaidé déporté yo nous pas trouvé yo mettre question ça yo sous table là dit tout. Alors nous pensait c'était premier bagaille qui yo ta dû parler mais dans 4 temps qui yo te fait à discuter avec autorité dominicaine yo yo pas dit tout parler genre de causer ça yo. Nous-mêmes, ça n'a pas demandé, c'est est-ce que c'est peur autorité haïtienne ou peur dominicaine ou pour parler pour tout haïtien qui a souffert en République dominicaine. Est-ce que c'est raison ou bien gouvernement dominicain sous question de déportation qui a fait ou? Est-ce que y a un autre coup de crayon qui pral fait pour nous? Ça, nous pas connaît. Bon. Nous-mêmes n'a suivre pour nous voir comment ça lui-même li pral continuer parce que depuis journée jeudi a, frontière lui-même li ouvri. Malgré marché li même li pourquoi fonctionner gens qu'il était qu'on fonctionner avant mais à partir de samedi si Dieu veut marché li même a fonctionné normalement gens que ça doit. Nous qui était à ou même qui t'a regardé vidéo pour opiner et bay avis pas des gens ou gouvernement haïtien laisser bagaille yo à la légère. Politique rete politique nous pas t'a ka fin kon tout bagaille seulement frontière li même pas gagne rien qui dit qu'il pas ka refermer encore. Peut-être président Jovenel Moïse voulait garder aller président dominicain qui c'est Luis Abinadel. Peut-être c'est un coup diplomatique que président Jovenel Moïse lui-même lui fait parce qu'il voulait pas vouloir bagaille yo même yo doit changer pour haïtien yo qui vivent en République Dominicaine. Nous revenons à la fin de la vidéo, n'a dit merci parce que vous avez choisi de regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça montre où c'est un vrai fanatique Chanel là. N'a mandé ou pour encourager nous ensemble avec un like si ou aimez travail na faire et puis aider nous partager vidéo wa de façon pour plus monde capable wè li et vinn découvrir Chanel là. N'a dit bye bye tout monde, konn que nous important pour Chanel là en pile, n'attendez voir ça encore dans une prochaine vidéo sous même Chanel là qui c'est Cloud Media. Malé.